Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter un thème autour du thème général de la société, notamment du monde de tiers, et l'exemple d'un tiers, donc ce sont les avocats. Et la problématique suivante, c'est pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est parfois difficile de se défendre dans notre société actuellement? Donc ça, c'est point d'interrogation. Alors se défendre, c'est quoi? Pour se défendre, il faut justement déjà, en premier lieu, je dirais, avoir conscience que nos droits ne sont pas respectés, en quelque sorte, puisque là, quand je parle de se défendre, c'est de défendre les droits liés à la consommation. Donc pour ça, dans une première partie, je vous expliciterai, et je vous donnerai une vision un peu globale de la fourchette de combien ça coûte de se défendre en pratique. Donc là, je vais introduire trois situations d'entrée justement de défense. Il y a trois cas de figure qui fait que vous allez pouvoir activer des solutions pour vous défendre. Donc ça, je vais vous les présenter. Donc c'est ma première partie. Puis la deuxième partie, on va faire la transition sur quels pourraient être en fait les risques d'un consommateur en consultant un avocat. Voilà, à quoi est-ce qu'il doit faire attention pour trouver le bon professionnel qui va transformer les risques à plutôt une opportunité de se défendre et donc de faire respecter ses droits dans le cadre réglementaire. Parce que là aussi, c'est subjectif. Si la personne, elle n'a pas connaissance du cadre réglementaire et elle n'a pas un niveau d'expertise et de professionnalisme suffisant, difficile de savoir pour elle arbitrer sur la risque ou opportunité de défendre ses droits. Donc pour ça, on a besoin d'un professionnel. Ce professionnel, c'est le sachant. Donc c'est ma première partie, c'est le 1. Et pour payer ce sachant, il va falloir donner de l'argent. Donc combien ça va nous coûter d'utiliser cette personne spécialisée en droit? Et dans ma deuxième partie, c'est une fois que j'ai sorti de l'argent, comment est-ce que je vais trouver mon bon professionnel? Est-ce que je ne vais pas mettre de l'argent dans le vent? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je mette de l'argent dans le vent? Donc on va voir que comment trouver ce bon professionnel, c'est hyper délicat. Il est très délicat de faire confiance même à des avocats. Et je dirais qu'il y en a des très très bien, mais qu'il faut également rester très très prudent parce que certains sont très avides d'argent. Donc tout est mis en place pour justement avoir la possibilité de moduler les honoraires de façon à prendre le plus d'argent aux clients. Donc comment on évite ça? Il faut trouver l'opportunité d'avoir le bon professionnel. C'est celui qui va vous écouter, c'est celui qui va d'abord comprendre vos problèmes. N'hésitez pas à lui poser des questions pour voir s'il est capable de rebondir sur les problématiques et voir même si il a une connaissance du cadre de la réglementation. Parce que si par exemple on prend les fintechs c'est un domaine à proprement parler qui est basé sur la réglementation de l'innovation bancaire. Par exemple, c'est un domaine tellement spécifique qu'on a beaucoup d'avocats qui au jour d'aujourd'hui ne savent même pas ce qu'est le mot fintech. Donc voilà, en fonction de votre problématique, si c'est une problématique généraliste en droit du travail, droit social, droit immobilier, ça va être usuel et assez facile de le trouver, mais néanmoins il faudra quand même faire très attention à la compréhension de votre problématique et la maîtrise de son domaine dans laquelle il est professionnel. Donc en fait, il y a différents domaines. Vous allez avoir des domaines généralistes et plus vous allez descendre dans des besoins, dans des domaines un peu spécialisés, plus forcément ce professionnel, il va avoir besoin de compétences pour vous défendre et peut-être que effectivement, ça peut impacter la note d'honoraire. C'est ce qu'on va voir aussi. Alors, il faut aussi, je dirais. Donc en plus de maîtriser le domaine de la problématique, ce professionnel, vous allez exiger de lui quelque chose d'important, c'est qu'il soit intègre au niveau de son professionnalisme, l'éthique, la confidentialité. Alors ça aussi, ça peut paraître surprenant, mais il faut vraiment être très très vigilant. Les avocats se voient tous les jours, lors d'instances, donc ils communiquent énormément. Et l'être humain fait que il est faillible et il est corruptible. Donc il faut faire attention justement à l'éthique et au professionnalisme des avocats à qui vous allez vous adresser. Il faut qu'ils soient intègres. Après, il faudra faire attention également à la nature de leurs devis, à leurs frais d'honoraires. N'hésitez pas à bien décomposer ces devis. Informez-vous. Parce que s'ils se permettent de mettre en place des frais d'honoraires élevés, c'est que ils ont soit un certain degré de professionnalisme, et donc du coup par ce degré de professionnalisme, ils vont être capables de défendre 100% de vos droits, ou certains un peu moins bons seront capables de vous défendre qu'à 40%. Donc ça va être fonction un petit peu de tout ça, leur professionnalisme et également la volonté tout simplement de vous protéger. Si vous êtes avec quelqu'un et un avocat qui rencontre des difficultés dans sa vie personnelle,
personnelle et qui se détache complètement de sa vie professionnelle, ben pas de chance pour vous. Il y a un laps de temps, il y a un instant T où cet avocat, ben, il va pas être performant et vous allez mal tomber. Donc difficile de l'identifier, mais si en quelque sorte il veut pas assurer votre défense, il ne le fera pas parce que tout simplement il ne recherchera pas déjà les écarts de conformité réglementaire et il va chercher juste les plus faciles à identifier. Et de l'autre côté, il ne cherchera pas également les éléments matériels de véracité qui viendraient conforter bah, la réalité de ces écarts pour vous défendre. Donc voilà, donc c'est un métier qui est pas facile et qui demande beaucoup d'engagement personnel, d'où la difficulté de trouver le bon professionnel. Alors le premier point que je vous ai dit, la grande partie, la numéro une que je vais traiter, c'est combien ça coûte de se défendre en pratique. Parce que vous l'aurez compris, même si on a tous les mêmes droits, le problème c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités et on ne peut pas tous payer un avocat pour se défendre. Voilà, et comment savoir dans quel cas de figure se défendre? Là aussi, il y a quelque chose qui est assez basique, c'est comment on va faire confiance à un avocat si on n'a pas la connaissance de l'information et donc pas cette profondeur d'expertise réglementaire sur laquelle et qui nous permettrait de dire qu'on est convaincu qu'on doit se défendre, eh bien ça va nous demander de faire confiance à des gens et donc du coup faire confiance à ce professionnel. Et ça, c'est quelque chose, la confiance qui est cognitive. Ça veut dire que ça vient de vous, c'est inexplicable. Vous allez faire confiance ou vous n'allez pas faire confiance. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de frais réels et concrets. Ils vont aller rechercher des avis sur cet avocat, ils vont fouiller sur les forums, ils vont regarder des cas de jurisprudence où les noms de ces avocats sont cités. Ils vont rechercher les dimensions des entreprises, par exemple, qu'ils ont déjà défendues. Ils vont aller voir leur CV pour voir un peu leur nature, leur profil, peut-être même leur sensibilité. Donc, en fait, on a tous des degrés de profondeur d'analyse complètement différents. Donc, allez, déjà, on ne va pas se défendre de la même manière, mais il y a quand même quelque chose qui est commun, c'est que tout le monde a droit de se défendre. Alors, pour ça, quand même, bah, le citoyen, il est protégé et le gouvernement, il met en place, ben, des petites conventions, je dirais, des choses. C'est que si par exemple, il y a trois cas de figure notamment, vous êtes en premier lieu dans le cas de figure 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas de revenus et vous êtes au RSA ou voilà, vous n'avez pas de revenus. Donc en fait, là, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle une aide juridictionnelle. Et grâce à ça, vous n'aurez pas à avancer les frais d'avocat. Mais là où il faut faire attention, c'est comme les avocats effectuent énormément de dépassements d'honoraires. Les honoraires sont libres. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ne sont jamais affichés dans une salle d'attente. Donc là aussi, la réglementation, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que voilà, sur toutes les professions libérales, il y avait des gros débats dessus. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir une telle variable relativement aux honoraires? Alors, certains l'expliquent par la compétence professionnelle. Bon, on s'aperçoit que voilà, le résultat attendu n'est pas proportionnel du tout à la compétence professionnelle, bien au contraire, et il y a certains qui profitent d'une étiquette ou d'une carte de visite pour justement augmenter leurs honoraires. Donc il faut faire attention à ceci. Donc je pense que les gens sont d'accord de payer quand effectivement le résultat est aux attentes, ou au moins l'investissement sur le dossier et dans les attentes. Allez, donc ça c'était le cas numéro 1. Donc même si vous êtes au RSA, vous avez droit de bénéficier d'une aide juridictionnelle et donc d'être défendu. Attention au dépassement d'honoraires parce que du coup c'est bien de vos poches que le règlement sortira. C'est pareil dans un autre cas de figure, c'est 2. Par exemple, si vous avez une assurance habitation, si vous avez une assurance habitation, vous disposez d'une protection juridique, vous payez pour ça. Chaque année, vous pouvez l'activer. Donc pareil, il faut consulter en fait sa banque et voilà, écrire un petit courrier en donnant l'objet de la sollicitation et pourquoi vous voulez ouvrir un dossier de défense juridique. Et ça, pareil, donc ce sera pris en charge par votre assurance. Vous regardez dans votre contrat assurance, il y a une prise en charge pour un certain plafond donné. Donc ça, c'est fonction de l'assurance. C'est pour ça que votre protection juridique, elle coûte plus ou moins cher. Il y a des assurances qui vont avoir un plafond très très haut. Donc ça veut aussi dire que vous pourriez potentiellement vous diriger vers des avocats qui sont conventionnés ou voire même non conventionnés. Là aussi, regardez dans vos contrats, il y a une prise en charge qui peut être parfois différente pour les avocats qu'on va dire conventionnés et non conventionnés. Les conventionnés, c'est ceux qui sont reconnus directement par l'assureur, c'est en quelque sorte les avocats qui travaillent avec l'assureur. Et eux, donc voilà, ils vont peut-être vous donner des plafonds qui sont un peu plus élevés. Donc regardez vos contrats et regardez. Donc ça va vous permettre de comprendre en fait comment défendre vos droits et surtout ce que vous avez en fait à payer vous et ce que vous n'aurez pas à payer. Donc ça c'est le risque majeur, c'est d'avoir les finances pour bien se protéger. Donc on voit que tout le monde a le droit de se protéger. Puis à côté, la troisième situation, c'est vous qui prenez l'initiative de consulter directement en fait un avocat. Et donc du coup, vous allez régler cette convention d'honoraires. Donc là aussi,
Dans la vie pratique, pour les personnes qui souhaitent se diriger vers un avocat, il y a différents cas de figure. Et ça va être fonction du professionnel. Enfin, la convention d'honoraires et donc le montant de ces conventions d'honoraires, en fait, il est très, 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 très variable. Moi qui suis une grosse curieuse, voilà, sans même avoir besoin d'intenter une action, mais j'aime décrocher le téléphone, poser des questions, essayer de comprendre. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, en fonction peut-être du professionnalisme, ou alors de l'éthique, ou alors de la conscience de la réalité des besoins et des possibilités financières, en fait, de l'être humain, pour en quelque sorte se défendre, point d'interrogation, bah, il y a des avocats qui vont exercer des tarifications. Donc par exemple, si vous sollicitez certains, par exemple, pour juste corriger une lettre, ils vont vous demander 200 euros. D'autres vont vous rédiger une lettre pour, pareil, 200 euros. D'autres vont assurer la rédaction d'un jeu de conclusion et une défense pour 1000 euros. D'autres, en fait, vont demander plutôt 2000 euros pour rédiger vos conclusions et vous défendre, alors que d'autres, ça va être 5000, ça va être 10 000 et voire plus. Donc les honoraires, en quelque sorte, et la tarification, elle est libre. Donc voilà, et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en règle générale, avec, comment je dirais, le millefeuille administratif français, c'est que les procédures légales, réglementaires, elles sont très, 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 très lentes à se mettre en place. Les instances juridiques, elles se multiplient face aux indécisions. Et souvent, il faut multiplier donc votre convention d'honoraires par deux ou trois. Parce que si on vous demande de payer 6 000 euros, par exemple, pour un jeu de conclusion et une plaidoirie, ben sachez que vous pouvez avoir deux plaidoiries, mais trois plaidoiries. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est à établir avec votre avocat. N'hésitez pas à négocier ces frais et de les ramener dans la réalité du terrain. Tout le monde a droit de se faire protéger et puis d'être protégé. Et un autre point également. Je dirais donc oui, parfois aussi négocier ou essayer de voir en fait quelles sont leurs conventions d'honoraires sur résultat. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer cette convention d'honoraires sur plutôt une convention d'honoraires sur un pourcentage au résultat? Donc ça, c'est à vous de le faire, c'est un calcul à mettre en place en fonction de vos besoins, vous faites l'analyse. Allez, yep! Pas, on s'accroche, on passe à la deuxième partie. Donc maintenant, toujours dans la problématique, pourquoi il est parfois difficile de se défendre? Ben parce que, deuxième partie, il pourrait y avoir en fait des risques qui seraient associés à la consultation d'un avocat, tout simplement. Au lieu d'être une vraie opportunité, il pourrait y avoir des risques. Et c'est ce qu'on va voir en fait. Et pourquoi il est difficile de se défendre? Parce qu'il est aussi très délicat de trouver le très bon avocat et de trouver le très bon professionnel. Comme je vous l'ai dit, le premier élément, je dirais, c'est important, c'est, bon, outre son professionnalisme, c'est la volonté d'assurer votre défense. Voilà. Et de s'investir dans le traitement du dossier, tout simplement. Pas besoin d'y passer beaucoup de temps, mais manifester un centre d'intérêt sur votre dossier, bah, ça va aider à conduire l'analyse. Et l'analyse se fera plus rapidement. C'est ce qu'on appelle l'efficacité plutôt que l'efficacité. Les avocats actuellement ont plutôt tendance à faire traîner bah, la longueur, à modifier très très peu les conclusions ou à les faire très peu évoluer. Et puis on rajoute de la longueur en fait. Voilà. Donc on ne s'investit pas pleinement. On attend que le temps passe et on laisse les instances décider un peu. Voilà, pour pallier le manque de professionnalisme de certains avocats qui pourraient solutionner des dossiers beaucoup plus rapidement en utilisant les bons éléments matériels et des éléments de preuve qui sont à disposition pour défendre le client. Donc là, voilà pourquoi la volonté est importante. Donc dans cette deuxième partie, c'est quels pourraient être les risques d'un consommateur en consultant un avocat, à quoi faire attention en fait pour trouver le bon professionnel. Ben, votre premier risque, bien sûr, c'est votre perte de temps. Puisqu'à force de rechercher l'information, la bonne information et le bon professionnel, on peut perdre du temps. Mais en allant voir un professionnel, vous avez un deuxième risque, c'est qu'il faut faire attention que votre professionnel ne travaille pas, avocat notamment, ne travaille pas déjà avec la partie avec laquelle vous êtes en litige. Parce que là, du coup, il pourrait y avoir de l'échange d'informations. Et là, ce serait un risque majeur. Donc ça aussi, attention au risque, à l'éthique, à la confidentialité et au fait de vous assurer que votre avocat ne travaille pas déjà avec la partie avec laquelle vous êtes
en litige, quoi. Et puis dans une deuxième, dans d'autres parties aussi, dans cette deuxième grande partie sur les risques pour un consommateur, seraient des risques réglementaires, voilà, qui sont liés justement à l'attitude de l'avocat, à l'éthique et le manque de professionnalisme là aussi. Et on pourrait avoir un avocat qui est soucieux d'alourdir ses notes d'honoraires, de vous faire perdre du temps dans la défense et vos plaidoiries. Et puis en plus de ça, au final, il aurait le souci de lui de venir se servir sur le compte CARPA. Le compte CARPA, c'est le compte dans les instances et les tribunaux de grande instance qui est mis à disposition du client et sur lesquels les fonds et indemnisation des fonds sont versés. Donc souvent, en fait, on s'aperçoit que les avocats, ils vous laissent dans une difficulté. Ils laissent la longueur. Ils ne sont pas très sensibilisés au fait de vous transmettre les fonds pour vous sortir de cette situation. Mais leur intérêt principal, c'est au contraire d'avoir une autorisation de prélèvement pour eux aller se servir avant tout le monde. Voilà. Et là aussi, on a un risque réglementaire, c'est que normalement, le client doit être servi avant que l'avocat au moins vienne se prélever. Enfin, si c'est pas réglementaire, je pense que c'est du civisme. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, attention aussi aux frais non prévus car additionnels. Et ça, c'est un risque majeur de responsabilisation et du manque d'éthique des professionnels. Parce qu'il est incroyable de voir des gens qui ont souhaité défendre leurs intérêts et qui se voient progressivement sombrer financièrement parce qu'en fait, ils n'ont plus les finances pour continuer à vivre. Parce que, voilà, les avocats, en fait, les ont incités, les ont rassurés sur la défense de leurs intérêts. Et une fois qu'ils ont signé cette convention d'honoraires, en fait, ils ne mettent plus de dynamisme pour assurer leur défense. Donc ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, ces gens-là restent en déperdition, complètement seuls, dans une détresse financière. Et ils sont engagés dans une voie de non-retour. Et ils n'ont pas grand-chose à faire pour pouvoir stopper cet avocat. Et donc c'est pour ça que il y a le consommateur aussi, il peut protéger notamment ses droits relatifs à ses droits de se défendre en s'adressant par exemple aux bâtonniers. Voilà. Et je vous invite à aller voir les sujets sur les bâtonniers. Dans le cas de figure où vous considérez qu'il y a des manquements professionnels et que voilà, ça impute vraiment vos vies. Bon, allez, je reviens. Donc sur le risque de manque de professionnalisme, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, un manque d'expertise, voire même en fait de volonté de bien sélectionner les éléments matériels pour assurer au plus vite votre défense et vous sortir de parfois ce qu'on pourrait appeler un état de détresse. Donc en fait, il y a un rallongement de la durée du traitement du dossier pour en fait en quelque sorte essayer de surajouter des frais d'honoraires et des factures supplémentaires sans pour autant vous aider à sortir de cette situation. Donc l'avocat, le risque majeur, c'est qu'il vous plonge plutôt qu'il vous donne l'opportunité de sortir d'une situation. Et ça peut arriver, il faut faire très attention. Donc le risque majeur, je vous l'ai dit, il est financier, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre potentiellement dans le fait de consulter un avocat. Vous pouvez, si vous n'analysez pas bien les devis, c'est ce que je veux dire, hein. Le risque, c'est de la condition d'entrée, c'est de ne pas bien analyser le devis de l'avocat pour être capable de savoir ce qui pourrait se passer sur le court terme, moyen terme et long terme. Donc si vous prenez le risque et que vous êtes face à un risque financier parce que vous avez pu vous, parce que vous vous êtes mis dans une zone potentiellement en fait d'inconfort et vous avez en fait pris dans vos économies pour résister à une situation dans laquelle vous n'aviez parfois en plus de revenus financiers réguliers. Et ça a participé à vous faire plonger. Et ce risque majeur de survie, on va dire qui rajoute ou surajoute un risque, on va dire cette fois-ci psychologique. C'est pour ça qu'en conclusion, si je devais donner des conseils ou des bonnes pratiques pour être un consommateur avisé et essayer de se protéger, c'est qu'il faut travailler aussi la psychologie parce que souvent on a l'impression que quand même dans les personnes qui défendent leur intérêt, et puis voilà, il y avait des ouvrages qui avaient été réalisés sur Bernard Tapie, alors moi je veux citer personne, mais voilà, bonne action ou pas bonne action, moi tout ce que je retiens de ça, c'est qu'au fond la force de la psychologie, fait la pérennité en fait et je suis assez fascinée de voir la force et la volonté d'esprit de ces gens par exemple pour assurer leur défense. Voilà. Après je ne juge pas mais c'est juste dans la façon d'assurer leur défense et dans la façon d'être convaincu. Donc en fait généralement ce sont des gens qui on va dire qui sont patients, qui sont obstinés, qui ont un certain niveau de connaissance, qui sont capables également de rechercher l'information. Regardez par exemple qui est Bernard Tapie. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que j'ai envie de considérer comme sacré
un sachant. Voilà, donc il a su dégager des opportunités. Voilà, je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de comportement, que ce soit bien ou pas bien, si vous voulez assurer votre défense, il va falloir être résistant. Voilà. Et je rappuierai sur le fait que, en cas de litige avec vos avocats, bah, rapprochez-vous des bâtonniers pour connaître vos droits et savoir comment être bien protégé, parce que les avocats ont une obligation d'éthique à suivre, vraiment. Il existe l'ordre des avocats, il y a vraiment un professionnalisme et une éthique à suivre. Et voilà, ils peuvent être. Voilà, en cas de manquement constaté et de professionnalisme, voilà. Moi, je vous engage à aller voir le bâtonnier. Allez, point final. Donc, si on devait résumer cette présentation, c'est pourquoi est-ce qu'il est parfois difficile de se défendre? C'est un, combien ça coûte de se défendre en pratique? Ben, moi, je vous l'ai dit, se défendre en pratique, ça peut aller de 200 euros à plus de 10 KE, c'est-à-dire plus de 10 000 euros, en fonction de votre dossier, du nombre de plaidoiries. Le professionnalisme de votre avocat, sa volonté de vous aider, le nombre de personnes qu'il a actuellement à cet instant où vous le consultez, est-ce qu'il est débordé, pas débordé. Donc voilà, au fond, trouver le bon avocat, c'est très très subjectif, voire complexe. Parce qu'au fond, comment savoir s'il sait, comment savoir s'il a envie, comment savoir s'il a les capacités d'assurer votre défense, et voilà, etc., etc. Donc je dirais que c'est plutôt, y ait pas le hasard. Est-ce que c'est possible de contrôler le hasard et de contrôler les tiers qu'on utilise? Ben, je sais pas, mais peut-être que ça pourrait être opportun de le faire. Je vous dis à bientôt, y ait pas. J'espère que ça vous aura plu. Y ait pas. Prenez soin de vous surtout.